Alors, je m'appelle Jean-Marc Besnier. L'entreprise s'appelle Au fil du bois. Et voilà, j'ai pour spécialité de faire des traîneaux à chiens et des luges. Traîneaux traditionnels en bois. Alors, l'atelier est tout petit. Je travaille, l'avantage d'être dans le sud de la France, c'est qu'on peut travailler comme dehors, beaucoup dehors. J'ai une machine qu'on appelle un centre d'usinage Felder, qui me permet de faire toutes les opérations possibles et imaginables. Et puis après, je travaille beaucoup en électroportatif pour les petits détails, notamment pour le travail des luges. Et les traîneaux, il y a beaucoup d'usinage fin, délicat que je fais sur les machines électroportatives, comme on voit ici. Je conçois mes produits, je les dessine, je les réalise intégralement et je les teste. Donc quand je fais un nouveau traîneau, il est systématiquement testé en réalité avant de le mettre en commercialisation. J'aime bien, j'adore le froid et les zones nordiques perdues, donc j'y vais régulièrement en janvier ou février quand il fait froid, au début des journées polaires. Alors, le plaisir de voir des aurores boréales entre autres. Le traîneau à chien, là, c'est spécifique parce que je travaille essentiellement sur mesure. Je fais beaucoup de traîneaux sur mesure. Donc un client vient me voir, il a un projet d'expédition, traversée de l'Alaska. Dernièrement, j'ai eu pour un tour du monde. Donc là, le client vient me voir et je fais vraiment du sur mesure. Je m'adapte à sa taille, à la largeur du traîneau comme il le désire et je fais tout moi-même. Donc j'hésite pas à fabriquer des moules pour les cintrages sur ce traîneau très spécifique. Donc j'ai 8 modèles de traîneaux différents et le plaisir, c'est comme d'innover. J'utilise le frêne. C'est un bois qui est très dur et qui est très souple à la fois. Donc pour l'avoir testé, moi, en conditions réelles, très chargées sur des expéditions qui duraient un mois, voire un mois et demi, avec une grosse charge à l'intérieur, les traîneaux peuvent prendre des chocs sans casser. Donc le frêne est vraiment un bois très très dur. Donc, j'utilise du bois français, du frêne qui vient de Bourgogne, voilà, pour éviter l'impact écologique. On essaie de travailler local tant qu'on peut. Sinon, quand je fais des réalisations, il m'arrive de faire quand même des meubles un peu originaux, des choses un peu particulières. J'utilise du châtaignier, qui est un bois régional, donc on en a pas mal dans la région. Voir quelqu'un partir sur soit un tour du monde, soit une course, c'est pareil, c'est assez émouvant parce qu'on se dit que c'est quelque chose qu'on a conçu, qu'on a dessiné, qu'on a pensé. Il y a eu des mois et des mois d'études. Et le résultat, c'est de voir glisser ce traîneau-là. Et la récompense, c'est de le voir faire des podiums ou que le client vous dise « j'en suis très content, je passe des grands moments avec ». Voilà, ça, c'est des grandes réjouissances. Est-ce qu'il y a un projet rêvé que vous aimeriez réaliser ? Faire un tour du monde à la voile, oui.